dit et répété, le viol ne se résume pas à un inconnu qui violemment saute sur une jeune femme dans un coin de parking, mais que la contrainte peut également être exercée par cette emprise d'un supérieur hiérarchique, d'un puissant, sur une petite à qui on demande des faveurs sexuelles qu'elle n'aurait pas autrement accordées. Rien de moins. Bonjour. Un mot avant votre mort. On se voit demain ? C'est un message de soulagement pour ma cliente et c'est un message d'espoir pour d'autres femmes qui sont dans cette situation. Parce que ça permet de montrer que la subordination, le lien de subordination, la condition de dépendance économique, eh bien c'est quelque chose qui va devoir être pris en compte dans l'appréciation de l'existence ou de la non-existence d'un consentement à une relation sexuelle. Pour le milieu du travail et l'association contre les violences faites aux femmes au travail, qui a été l'un des piliers de ce dossier également, ne peut que se satisfaire, j'imagine, de cette avancée qui est une avancée majeure.